Salut les gars et bienvenue sur Ibratus. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est très intéressant. On va faire un petit concours avec hélicoptère juste derrière et quelques circuits qu'on a construits. C'est pas grand chose mais je peux dire que c'est très intéressant. Mais avant tout ça j'avais un petit jeu à vous proposer parce que vu qu'il y a la Coupe du Monde et vu que c'est un jeu de mobile un peu de foot, donc je vais présenter un peu ce jeu en sachant que c'est déjà sponsorisé par eux. C'est un jeu de foot, mais pas foot, mais il y a une ballon, donc voilà. Donc ça se présente ainsi, je présente comme ça. Ça c'est mon personnage d'ailleurs, n'hésitez pas à me défier avec mon personnage qui s'appelle IbraTV1. Donc ouais, c'est mon personnage, tu vois comme il est magnifique. On dirait un dragon. Donc dans ce jeu il y a différents trucs, par exemple en appuyant sur son personnage on peut choisir différents armures, différentes bottes, différentes maillots, tu vois casquette ce que je veux dire, ou pas. Il y a casquette bleue si tu veux, mais il faudra débloquer un petit peu. Regardez, là tu mets un casquette mais le rouge, tu vois, comme le corps rouge sur mon Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram, c'est ça. C'est pas marrant. C'est bon. Si tu sais pas pourquoi il a mis mon Instagram, pourquoi il a tatoué sur mon Instagram, je vous laisserai un vidéo dans la description. Donc, est-ce que tu as envie de mettre des lunettes? Moi, je vais mettre des lunettes comme ça, mon frère. Oh là 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 là, comment il est trop bon, mon personnage. Bon, sinon, avec code promo IbraTV, vous pouvez bénéficier plus de pièces, plus d'avantages. Donc, n'hésitez pas à utiliser code IbraTV. Tu joues avec d'autres personnages en ligne, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de débloquer cette carte-là qui coûte 3500 pièces. Je vais débloquer. Qu'est-ce que je vais gagner? Oh chien de mon fuck. Mais là, plus intéressant, c'est que on va jouer un petit peu, Thomas. Par contre, je vais laisser mon personnage que je construis un peu avant. C'est vrai que je vais jouer un petit peu parce que voilà, quoi, il est pas mal un peu, même s'il est sponsorisé. On a un adversaire qui s'appelle, je sais pas comment, mais alors, avancer, reculer, 3, 2, 1. Mais tu vas voir, c'est très marrant. Il y a un balle qui est là, bam. Il voulait tirer le crotard, tu penses. Bam, tu tires, tu vois, bam. Un but marqué, mais c'est qu'un but. C'est qu'un but de but. C'est qu'un but de but. Tu as marqué contre toi. Là. Bam. Voilà, tu mets un coup de tête. Bam. Mais on dirait qu'il a joué toute sa vie, le mec. Mais il est trop fort, le mec, en fait. Mais regarde ses pieds, ils font du 72 aussi. Attends. Normal qu'il marque. Attends, il faut que je marque au moins un but pour. Moi, je pense que c'est à cause des baskets. Hey, mais le mec, je suis sûr qu'il saigne sa vie sur ces jeux-là. C'est parce que je suis pas contre. Attends, au moins un but, s'il te plaît. Parce que là, 6-0 quand même. Attends, j'ai envie de recommencer le match. Ah, j'ai mis plus grand sécage. Vous savez, je vais utiliser le bonus, je vais plus grand sécage. Attends, ce qu'on va faire maintenant. Bam. Donc, bien sûr, tous les liens seront dans la description pour que vous puissiez jouer un peu ce jeu quand vous n'avez pas très grand chose à faire. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui à 3, chacun son tour devra réaliser un petit parcours avec cet hélicoptère que je payais 500 euros. Je vous promets, cette merde, ça coûte 500 balles. Ça a cassé ? C'est déjà cassé. Ah, c'est cassé ça ? Oui. Putain, c'est déjà cassé. Je crois que c'était alors dans le coffre. Ah ouais? Même ça, regarde, même ça c'est cassé. Même ça c'est cassé, regarde, ce côté-là c'est cassé. T'as dit quoi? Foncez dans le mur. Non, donc ce mec là tout de suite il était pas drôle, mais sinon sur sa chaîne il est un peu drôle, donc je laisserai sa chaîne parce que là c'est un frérot, c'est la famille. Vous connaissez pas forcément, mais voilà. C'est un débutant, c'est un voilà, débutant. Voilà, enfin c'est un débutant, il parle à la troisième personne comme si. comme si je parlais de quelqu'un voilà. D'autre. Donc je laisserai sa chaîne dans la description, s'il vous plaît, donne un peu de force. Donc voilà, c'est un mec sympathique. C'est Sam Biev. Et ils ont les liens dans la description. Donc. On va faire les gages sans jouer. Ouais, ça va être dur. On passe à. Voilà, ça c'est stable. Ah non, c'est impossible. Attends, vers le tunnel. Ah c'est compliqué hein. Galère. Ah mais tu vas vers aïe aïe aïe. Thomas, c'est à toi maintenant. On n'a pas comme ça. Oui. Attends. Tu vas voler avec. Par contre, si tu le démarres comme ça, tu le lâches. Là, fais vraiment doucement, ok? Bien dans l'axe tout à l'heure. Non, dans l'axe, c'est pas, s'en fout. Non, c'est pas, je vais gagner. Vas-y, allez, tout droit. Vas-y. Ah oui, je vais aller tout droit, je crois que je vais. Vas-y. Je vais dès que tu envoies, dès que ça touche le sol, ça veut dire que c'est un Gabriel, ok? Ok. Vas-y.
Ah, c'est try and try. Ah. Ça fait quoi, là? Putain, mais Thomas! Il l'a cassé! Tu vas te casser! Il l'a cassé là! Il l'a cassé? Ouais, là! Il l'a cassé de deux côtés, regarde, de deux côtés, c'est cassé! Ouais, sérieux? Moi, je sais pas si ça va voler comme ça! Là aussi? Non! Je me suis auto-agressé! Mais non! Ah, si, t'as cassé! Mais non! Ah, regarde! C'est quoi ça? Mais non, mais tu recolles, regarde! En fait, ça, Jésus, je l'ai. Ça, je l'ai pas. Mais ça, c'est rien, c'est le contrepoids. Faut ok, bah on verra. Vas-y, c'est à Djabraël. Comment on allume, t'as dit? Mais ça. Ouais, il sert un truc quand même. Ça a moins. Il est cassé. Poussez-vous. J'ai confiance. Ouais. Mais moi ils ont enlevé tout seul, regarde. Attends, qu'est-ce qu'ils ont enlevé là? Ah c'est un corps. Ah t'as poussé où pour voir ce que ça donne? Au pire viens on enlève ça. Attends, la première hélice là, pas de bien. Non prends les doigts quoi. Et où est ça, ça? Mais oublie pas qu'il y a un truc métallique là. Ah ouais. Ah. Oh mais j'ai peur. Tu veux mettre quoi? Oh mais attends. Je voulais le tarter. Ah mais ça coupe hein. C'est juste ça qui va t'assurer. Non mais ça, c'est ça qui va te couper. Bon, on va faire un dernier tentative et malheureusement, je pourrais pas... On ne pourra pas faire le défi, on est pas avec moi. C'est quoi cet hélico de chat, hein? Bon, cette vidéo s'achève sur ça. Belle chute. Putain. On peut faire un petit démon de... Ah, on peut faire un combat entre deux. Est-ce que vous avez gong box? Ouais. Les deux? Vas-y. Bon. Eh, c'est quoi pourquoi t'as pas ramené ta... Pourquoi t'as pas ramené ta voiture? Je suis pas sûr. T'inquiète, Thomas, ça va le faire. Mais c'est le frère à Maga. Ouais, en fait, c'est le frère de mon favori qui va faire le combat dimanche. Alright. Let out, gentlemen. Ce soir, on a deux combattants de plus extrême nulleté. Non, je rigole. Donc ici, on a Thomas, vu qu'on a cassé l'hélicoptère, il faut qu'on fasse une vidéo un peu intéressante. Donc ici, présent, Djabraël, le gentleman. Non, attendez les gars. Attends, je vous explique les règles, les gars. Écoutez-moi bien avant que je frappe. Donc, pas de coup de tête, on est d'accord. Pas les doigts dans les yeux. On est d'accord. On peut pas entre dans les oreilles. Ah, je te dis, genre, tu fais du mal. Hein. On tape pas entre les jambes, tu vois ce que je veux dire? Okay. Sur les jambes, oui, mais entre non. Okay. Donc, quand un adversaire il a le genou, un de genoux par terre, on n'a pas le droit de taper avec la jambe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand mec il met comme ça, t'as pas le droit de faire un coup de genou, ok? Vous avez compris? Ouais. Coup de pied, hein. Coup de pied, ouais. T'as compris? Ouais. T'as compris? Chacun sur son côté. Il y a soumission, il y a tout. Soumis, ouais. T'es prêt? Non. T'es prêt? Toujours. Ah, fight. Il a pas les pieds. Si. Garde Thomas. Doucement, les gars, par contre, là, c'est un peu... Thomas, sûr de toi. On peut... Voilà, c'est ça. Ça glisse. Enlève tes chaussettes. Non, on a rien vu, vas-y. On va couper celle-là. Ah putain, non, on coupe pas, c'est grave bien. Bon, chacun de côté, vous êtes prêts, Adézard? Ouais. T'es prêt, Adézard? Toujours. Let's go. Doucement, les gars. C'est bien, ouais, Thomas. Le pied, oui, merde. Si, le pied. Attention, Thomas. Impose-toi. Ne recule pas trop. Voilà, coude. Voilà, c'est ça. Thomas, relève-toi, Thomas. Sur ta tête. C'est ça, Thomas, j'aime bien. Vous voulez dire pourquoi je ne tiens pas à la famille? Parce que lui, il est déjà assez sûr de lui. Descends. Enlève, regardez dans les yeux, Thomas. Mais jamais la garde. Enlève, Thomas. Moi, je me sais bien. C'est moi. Ouais, Thomas, c'est devant. Moi.
Tu vois, regarde toujours en face, de jamais tu fais pas ça. Mais tu sais que c'est dur un peu de garder les yeux ouverts quand tu vois. En fait, frérot, tu ne soutiens pas parce qu'il n'y a pas besoin de soutien, donc je dis attends. Non, mais là, t'es prêt? Fight! Oh, j'attends. Voilà, c'est. Oh, il t'a fait. Attends, repasse-toi. Ça, c'est. Il a rassé le premier coup. Non, non, je sais que ça fait très mal. Sur le coup. Je m'y attendais pas, celui-là. Mon corps, il était pas prêt. Ça va passer dans 5 minutes, tu peux en reprendre. Mais pas les pieds, putain, je maîtrise pas les pieds encore. Ok, on fait sans les pieds, ok. Que les mains. On fait tout sans les pieds, sans, ok. Ok. Juste, tu me ramènes au sol tapé, mais pas les pieds, ok. Ce que tu veux. En fait, ce que vous pouvez faire, vous pouvez passer et vous ramener au sol tapé. 1. Non. 2. 3. Il veut pas abandonner. 5. Combattant prêt. Vas-y. Combattant prêt. Plus certain. Pas de pied. Pas de pied, mais le reste. Fight. Allez. Ça, par contre, doucement les coups, hein. On n'est pas là pour faire ça. Ya, j'adore. Ya. Passe pas à 100% les coups, mais ça va. Thomas, impose-toi. La garde, oublie pas la garde. Oublie pas la garde. C'est ça. Baisse pas ta tête, arrête de baisser la tête. Arrête de tourner le dos. C'est ça. Je ne baisse pas la tête. Regarde là où tu mets les coups. Top. Venez ici. On va pas trop gêner. Regarde. Un peu plus là, bam. Tu joues avec lui. Eh, des petites fentes, Thomas. Bam. Après, tu fais un coup de. Ah là. C'est ça. Pas à 100% par contre, les gars. Non, ouais. Ah, puis donc, pas mal. Tu vois, elle pouvait terminer, mais genre, des trucs plus rapides. C'est ça. Vas-y. Oh là là. Crochet, c'était bien. Crochet, sors ta tête, reviens sur lui. Sors ta tête. Voilà, tiens-le comme ça, tiens-le. Ne lâche pas Thomas. Ne lâche pas. Voilà, retourne sur lui. Essaye de revenir sur lui. C'est bien Thomas. S'il y a un écart entre vous deux, il va essayer de te taper. Faut pas qu'il y ait un écart entre vous. C'est bien. Voilà, reviens sur lui. Couche-nous dans lui. Ah, ça va toi, oui, j'ai oublié. Voilà, pousse avec les jambes, regarde les gens. Top. T'as aucune prise au sol avec ça. C'est un truc de ouf. En fait, t'as pas besoin de vraie prise au sol, il faut le revenir un peu. Un petit truc ici, un peu de l'autre côté. Non, mais c'est pas. Ah là, derrière. Attends, laisse-moi. Bon, les gars, mais pas peur. Excuse. Ouais, pas de problème, moi j'aime ça. Non, mais c'est bien, Thomas. Donc là, c'était un peu. Juste qu'avec ça, mais. Wow. Alors, avec. C'est épuisant déjà parce que c'est lourd. Oui, c'est bien, ça donne un petit. Pas de prise au corps, au sol. Fais un petit quai. Fais tout, mais pas les jambes. T'es prêt? Toujours. T'es prêt? Combat. C'est ça. C'est ça, j'aime bien. C'est sûr de lui. Même s'il est plus léger, je sens qu'il est plus léger. Mais j'aime bien. C'est ça. Tu peux la ramener au sol. Ouais, ça se voit que. Voilà, c'est ça, j'aime bien. Vous voulez pas, les gars, vous pouvez faire ramener au sol, tabasser par terre. Voilà, c'est ça. Donc je répète pour la millième fois, tu peux le défoncer par terre. C'est un petit signe, contre de l'eau. Ne te laisse pas faire, attaque les jambes. Reviens sur lui. Essaye de passer derrière. Voilà. Bravo, c'est ça. Tabasse-le maintenant. Jabrail, tu sais quoi faire, je vais pas trop te le dire. Là, tabasse-le. Je sais pas comment il s'appelle. Guillotine. Tabasse-le, coude. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Jabrail, je te dirai pas grand-chose parce que t'es menant. T'es trop fort. Voilà, c'est ça. Essaye de le. Déstabiliser. Voilà, c'est ça. Avec les gants, ça sert à rien. Ouais, je sais. Essaye de toucher la tête sur ce côté-là. Voilà, on sort sa tête. Voilà, sort sa tête et essaie de le ramener, revenir sur lui. Jabrail, je te regarde. C'est bien, voilà, c'est ça. Très bien joué, photo. Tu t'appelles comment? Aram. Donc Aram, il est beaucoup plus léger que Jabrail, mais Jabrail était fatigué, donc c'était un peu équitable. Franchement, un très beau combat. Maintenant, on va faire un combat moi contre mon frère. Ah, il s'attendait pas. Il s'attendait pas du tout. Pas de soucis. Allez, prends la caméra, passe-moi les gants. C'est parti. Bien sûr.
Moi, je suis pour le Tchétchouev. Moi, je suis... Bah, les deux. Vous avez vu ça ou pas? Quel amateurisme de la part d'Isma, je m'attendais à mieux. Ibrahim, il est assez entraîné. Je suis pour Ismaël. Ouais, ouais, Ismaël, jouez. Je lui laisse un petit peu s'échauffer. Arrête, tu vas te faire des... Ouais, ouais, Ismaël, ouais. Reste avec ta garde. Pas lui. Le mien, il est chaud, là, il est chaud. Oh, regarde-moi ça. Un 5, 3, non. Ouais, ouais, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Ah, oh, Isma, je te pensais pas comme ça. Isma, hop, hop. Ouais, ressort, ressort, n'abandonne pas. Hop, 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 hop. Ouais, n'abandonne pas, Isma. Ouais, t'es sur lui, t'es sur lui. Oh, tu te fais soumettre, Isma. Ouais, ouais. Attends, y'a pas de plomb. Attends, y'a pas de plomb. Laisse pas mettre. Comment on est, ça se passe ici pas. C'est bon. Parti. Relève-toi, relève-toi. Attaque la jambe, attaque la jambe. Hot. 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 Essaye de te relever. Tu boxes mieux. Hot. Ouais, ouais. C'est super. Ouais. Hâte, 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 hâte. Apparemment, il a envie de faire passer un message. Regardez. Il essaie de communiquer. On ne comprend pas la langue. Hâte, ice, ice, slime. Hâte. Quoi? Il parle allemand, il parle allemand. On a suivi. Il est possédé. Vas-y, top. Jamais. Ce match, tu vas perdre 2000 abonnés, Laurent. Allez, je suis là, je regarde. Dès qu'il tape. C'est ça, Esma, n'abandonne pas. Les vrais bonhommes, ils n'abandonnent pas. T'en suis du quoi, là? Je parlais pas de toi, mais bon. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, c'est tout ce que tu peux faire. Hein? Regardez, il sait tout ça, mais il continue. Qui c'est à moi? Ouais, toi, bah, du coup. De qui je parle? De qui je parle? Bah, puis je pas, pense bleu les gars. C'est les seuls gars qui sont en train de se battre et ils parlent de leur vie normale. Hot, hot, hot. Tiens son bras. Son bras. Il y a du sang mais c'est rien, c'est juste une cicatrice, sûrement une croûte. C'est pas... Une croûte de 2 mètres. Hot, hot. Mais ça passe. Bon là ça devient un combat sur Gulli là, c'est pas... Debout, debout. Il se fait, il tente des trucs, mais... Hâte. 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 Ouais, les gars. Tous les gars qui fument, vous avez peur pour... Tous les gars qui fument, vous avez... Tu vas finir comme ça. C'est important. Il se bat, mais il donne des messages. C'est important. Voilà. Écoutez, écoutez. Tous les mecs qui fument, là, vous allez finir comme ça. Sinon demain il va aller manger tout ça, il raconte sa vie. Ah c'est bon, là il l'a, il l'a. Ah. Vas-y, regarde, c'est à toi. Dès qu'il tape dans les... par terre. Oui, il dit stop. Ah, je vois le petit mordage là. Le mordage, ça, pas besoin de tricher moi. C'est bon? Ouais, tu peux arrêter si tu veux. Allez. Stop. Pourquoi tu arrêtes? Il m'a rien fait du tout. Non mais je vais pas te casser le bras, t'es quand même mon frère. Et t'imagines, il casse le bras. Ouais, je viens de casser le bras, mon petit frère. Donc les gars, c'est un bon petit échauffement. C'est comme ça que ça marche. Pour vous dire que l'entraînement, c'est très... C'est très... Allez, maintenant, c'est la lutte, c'est plus les mémoires. Pour vous dire que si vous ne faites pas de sport, un mec qui a un minimum sportif, il va vous défoncer. Donc faites du sport, les gars. Je vous dis ça pour votre bien. Parce que le moment venu... Vous allez regretter, donc faites du sport, c'est très important. Sinon, vous allez faire défoncer comme lui. Voilà, regarde. Qui s'est défoncé? Je voulais juste pas le frapper comme ça. Ouais, les gens ne disent pas. Moi aussi, je voulais pas trop le frapper parce que voilà. Tu vois le. Mon frère, t'as pas le petit. Donc, je pense que je vais arrêter sur ça. Parce que là-bas, c'était pas prévu, on était en jean. Mais quand même, voilà, ça m'a pas gêné de le défoncer. Donc, n'hésitez pas. Vous abonner. Et vous m'abonner sur mon Instagram, il est là.
ce serait comme ça. Donc voilà. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu, même si à la base on était là pour faire un défi avec l'hélicoptère. Ciao la famille!